Alphonse Mbaïdien, donc natif du village, je suis enseignant aussi à Dakar. Et maintenant, j'ai pris ma retraite, mais je continue à m'investir aussi dans la formation des jeunes. Oui, Monseigneur Benjamin Ngaï. C'est vrai, il était notre devancier quand nous étions au séminaire, quelqu'un de très très bien, je le félicite. Et nous avons été très heureux de le recevoir dans notre village. Et son serment également nous a rappelé en fait les fondamentaux. Les fondamentaux de ce que doivent être les vies des chrétiens. Et nous l'en remercions infiniment. Pour inaugurer une chapelle qui est le fruit, disons, d'une dizaine d'années. Dizaines d'années durant lesquelles, évidemment, nous tous, nous nous sommes mobilisés. Pas seulement les gens du village, mais tous les environs, en fait, ont participé. Musulmans comme chrétiens, et c'est ce qu'il y a à féliciter. Nous ne connaissons pas le clivage que les gens connaissent par ailleurs. Quand il y a un problème, évidemment, c'est tout le monde qui s'active autour des problèmes communs. Et ça, évidemment, nous rendons grâce à Dieu pour ce fait-là, qui est notre particularité, nous, gens de Velingara. Il faut reconnaître que c'est une question de foi, en vérité. Une foi qui est très ancienne d'ailleurs. Il faut évoquer l'arrivée des premiers missionnaires qui sont passés par là. Notamment, nous l'avons évoqué, l'arrivée du père Michel Simonet, qui, avec l'arrivée de l'église aussi, nous a amené la catéchèse et nous a amené aussi l'école. Et c'est grâce à lui que tous ceux qui ont étudié ici, eh bien, sont parvenus à quelque chose. Nous l'en remercions. Donc, je dois, pour terminer sous ce chapitre-là, dire qu'en réalité, c'est assez anciennement, ici l'école est venue je crois en 62. En 1962, la première école à laquelle j'ai assisté était logée dans les villages de l'autre côté. Puis en 63, c'est en 63 que nous avons eu la première chapelle en dur. Mais tout le reste c'était en banco. Voilà pour la petite histoire. Oui, ça a été le fruit je crois du PDS, il faut le rendre grâce. C'est je crois l'arrivée du PDS qui nous a vus avoir la première école primaire. Mais avant celle-ci, nous avions une école catéchistique quand même, due aux prêtres de la paroisse de Nguyen. Voilà pour ce qui est donc des fondements de l'instruction. Puis maintenant, je crois que les gens s'acheminent vers la création d'un collège, je crois que c'est dans les idées, qui regrouperait tous les villages environnants. Parce que quand même, nous faisions, nous, à notre temps, 6 km le matin, 7 le soir pour certains. Évidemment avec des baluchons de riz, tantôt, mais plus du couscous. Parce qu'ici, c'était un peu le repas de tout le monde. Voilà. Oui, évidemment, ça c'est l'effet de toutes les communautés qui sont en brousse. Il n'y a pas d'éclairage, on ne vit pas encore tout ce qui est la modernité. Nous avons du mal à avoir le réseau parfois, mais enfin, ce n'est pas notre lot exclusif, c'est le lot de tout le monde. Ben, espérons que cela va nous arriver avant les siècles à venir. J'espère que ce problème sera réglé. Voilà. Évidemment, voir que nous puissions nous développer, ça c'est des ambitions tout à fait légitimes. Que je puisse mettre la main à la pâte comme tout le monde et participer au développement de notre localité. Voilà, ça c'est des ambitions légitimes. Mais voir également qu'il y ait une intervention de l'État. Il y en a eu déjà, il ne faut pas être ingrat. Nous avons de l'eau grâce à des projets qui nous viennent, je crois, de Thiès. C'est grâce à ces projets que nous avons eu assez de liquide maintenant. Il y a eu des projets qui nous ont vu créer des forages. Il y a eu un forage qui nous a amené de l'eau. Mais c'est surtout le canal qui nous vient de Thiès qui dessert un peu le village maintenant à nous et une bonne eau. Mais on n'arrive pas à utiliser cette eau pour le développement. C'est juste pour l'abreuvement des populations. Mais nous n'avons pas de cohabitation du tout. Nous habitons. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a cohabitation, nous vivons. Donc on ne fait pas de distinction. Je dis mon cousin Latir, c'est lui qui a donné un des bœufs et il est pur musulman. Eh bien moi, je voulais être prêtre. Donc ça veut tout dire. Dans nos familles, on ne connaît pas ces clivages djihadistes, etc. Non, non. Nous sommes tous des habitants du village, chrétiens, musulmans et animistes. Mon papa a toujours été animiste, n'a jamais embrassé ni la religion chrétienne ni la religion musulmane. Il est resté avec sa tradition, qu'il m'a légué en partie d'ailleurs. Oui, oui, je suis serrère, oui. C'est très bon. C'est mon plat préféré. Bon, nangin fit, nangin firip.